Assalamu alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. 22h46. En réalité, je voulais pas faire d'intervention aujourd'hui. En réalité, je ne voulais pas parler aujourd'hui. Mais l'impression que j'ai eue personnellement, c'est comme si nous avons poussé enfin notre premier ministre à pleinement assumer ses responsabilités. Alors, avant qu'on continue, je vous demande de ne pas suivre cette émission avec émotion. Je vous demande d'avoir un esprit aiguisé, éveillé, un esprit alerte pour comprendre. Je ne vous demande pas de venir m'écouter avec émotion. C'est un sujet qui est délicat, c'est une sortie qui est extrêmement délicate, les mots seront bien choisis, et on va faire une analyse digne de ce nom pour que chacun soit édifié. Nous ne venons pas ici pour accuser le Premier ministre, mais nous venons pour présenter les faits et que les Maliens comprennent que tôt ou tard, Assimi va devoir assumer une troisième fois sa responsabilité. La première fois, il l'a fait. La deuxième fois, il a fait la rectification. Il va devoir encore s'assumer. Parce que ce que vous allez écouter de la bouche du Premier ministre, ça dépasse l'entendement. Ce n'est pas « j'ai entendu », ce n'est pas « on m'a dit ». Vous allez écouter. Mais d'ici là, je vous permets de vous installer et puis de partager au maximum. Merci à Awa. Il est un peu tard, on va pas continuer jusqu'au bout. Alors, on va avec, avant de planter le décor, dans la vie, d'abord, comprenez que toute l'intervention d'aujourd'hui,
Et ce soir, pour ceux qui sont au Mali, et le matin pour ceux qui sont sur d'autres hémisphères, sera consacré essentiellement aux propos du Premier ministre Choguel Kokala-Maïga. J'ai été sidéré, j'ai été dépassé d'entendre ce qu'il a dit. Je me rappelle à maintes reprises, j'ai dit au Premier ministre, certes, vous êtes un bon orateur, mais ce n'est pas tout qu'il faut dire en public. En tant que Premier ministre, vous devrez avoir un minimum de réserve. Et par moment, vous parlez et vous allez au-delà de certaines lignes. En tout cas, et aujourd'hui, Choguel Kokala-Maïga désavoue publiquement Assimi Goïta, désavoue publiquement la politique actuelle et il assume pleinement tous les propos qui ont été tenus dans le mémorandum du M5-RFP côté Choguel Kokala-Maïga. Avant de vous faire écouter ce qu'il a dit, quand vous décidez de vous mettre en association avec quelqu'un, vous avez une base d'entente. Il y a un cadre dans lequel vous décidez d'évoluer ensemble. Un cadre politique, un cadre institutionnel, un cadre juridique, un cadre relationnel. Dans ce cadre-là, vous restez attaché au principe que vous partagez tous les deux. Dès l'instant où il y a violation de ce principe, vous avez le droit d'interpeller votre partenaire et de lui dire, la voie que vous prenez n'est pas celle sur laquelle nous avons bâti notre entente. Il y a une déviation de votre part. À ma connaissance, Shogel n'a jamais fait ça. Pour la simple et bonne raison, tous les jours quand il sort, il fait Atalaku d'Assimi Goïta. Alors, quel est le sens? Donc, finalement, quel est ce double jeu du Premier ministre? Quel est ce double visage du Premier ministre? Vendre les mérites du président Assimi Goïta et dans son dos, travailler avec d'autres personnes pour salir son image. Vous savez, dans cette histoire avec le petit, comment il s'appelle, le petit Alaï Bokou, je lui ai dit, vous croyez que vous allez piéger Assimi Goïta, mais il y a longtemps qu'Assimi Goïta vous surveille. C'est ça que vous ne savez pas. Et je crois que Choguel Kokala-Maïga a compris le message de Keïta. Donc, il a décidé de s'assumer. J'ai dit, vous croyez que vous allez pousser Assimi à commettre des erreurs? J'ai dit, vous mentez. C'est vous-même qui allez vous mettre dans la difficulté. Ce n'est pas Assimi. Il vous regarde. Il vous observe. Le Premier ministre a bien reçu mon message. Raison pour laquelle il est sorti et puis il a parlé. Mais alors, on me dira, Keïta, bon ben, ce sont les proches du Premier ministre. Alors, l'ancien ministre de l'énergie, Lamine, qui est le beau-frère de Sadio Camara, à la date d'aujourd'hui, qui est toujours incarcéré, Sadio va rendre visite à ce monsieur. Sadio va le voir en prison. Sadio va voir sa famille parce que c'est la sœur de Sadio. Je dis bien la sœur de lait de Sadio que Lamine a marié. Sadio va voir sa sœur. Il va voir ses neveux, ses nièces. Il va voir son beau-frère en prison. Mais jamais on n'a vu Sadio prendre la parole publiquement pour désavouer Assimi Goïta. Choguel Kokala-Maïga l'a fait aujourd'hui. Après avoir rendu visite aux parents de soi-disant ceux qui sont détenus. Il dit, ils ont été arrêtés pour leurs opinions. Mais en même temps, regardez bien la contradiction dans ce que dit le Premier ministre. C'est pourquoi je l'ai dit sur le Premier ministre. Peut-être que vous avez 50 ans de vie politique. Si on le retire de mon âge, zéro. Mais je ne crois pas que la manière dont je maîtrise la politique aujourd'hui, je ne crois pas que vous compreniez la politique mieux que moi aujourd'hui. Parce que quand vous dites, ils ont été arrêtés à cause de leurs opinions, et vous dites, je soutiens pleinement ces opinions-là. Alors, pourquoi officiellement vous n'avez pas appelé le procureur général
pour lui demander, au Mali, c'est comme ça, en fait, pourquoi vous n'avez pas produit un communiqué, vous, en tant que Premier ministre, pour condamner leur arrestation et demander leur libération? Pourquoi vous ne l'avez pas fait, Monsieur le Premier ministre? Oui, Popo, c'est... Non, je suis en train de montrer à mes détracteurs qu'on ne joue pas dans la même cour, Popo. Je vous ai dit hier, je peux porter comme ça jusqu'à la fin du mois. Rien ne ressemble. Et le minimum du prix, je vous en prie, je préfère ne pas le dire. Mais je vous mets dans une petite fourchette. Ce que j'ai porté hier, avant-hier, aujourd'hui, c'est une brique plus. C'est-à-dire que plus d'un million. Ce que j'ai porté hier à aujourd'hui. Donc, si je veux comparer les accessoires, les montres, tout ça, autre, là, c'est, on va pas venir se vanter ici, mais je montre aux gens, on n'est pas, je ne suis pas ministre, je ne suis pas directeur d'une société d'État. Je suis Cheikh Oumar Keïta, fils de Gaoussou Keïta et de Mariam Diallo. Simple citoyen malien. C'est tout. Je ne gère pas la société de quelqu'un. Je ne dois une 5 francs de personne. Je vis sur fonds propres. C'est mon argent. Je ne suis pas ministre. Mais pour qu'un ministre s'habille comme moi, il va falloir qu'il grignote un peu à côté, de gauche à droite. Bon, allez, on continue. Le beau-frère de Sadio Camara est en détention à la date d'aujourd'hui. Sadio Camara n'a jamais broché. Il dit à son beau-frère, à sa sœur, laissons la justice faire son travail. Alors, Choguel, ils ont laissé pousser Assimi. Moi, je dis non. Nous allons demander la permission au président Assimi Goïta de nous laisser faire le travail. Et je crois, je peux me vanter un peu. Nous sommes à peu près trois personnes qui avons poussé le premier ministre à sortir pour parler. La première personne, c'est Abdoul Niang. Bon, Bou Mabed, je sais pas beaucoup trop. Il peut être dans le lot, mais la deuxième personne, c'est bien moi. Je peux dire que c'est Abdoul Niang et Cheikh Oumar Keïta qui ont poussé le premier ministre à parler. Nous deux. Je dis bien Abdoul Niang. Les analyses que lui, il a faites en Bambara et ce que j'ai fait en français, on ne se voit pas, on ne communique pas, mais on a là, on a fait le même développement et le premier ministre était obligé de sortir pour s'expliquer. C'est ce qu'il a fait. On l'a poussé à parler. Et maintenant, il a montré véritablement qu'il est un premier ministre opposé à son président. C'est pas moi qui le dis, ce sont les propos qu'il a tenus lui-même. Je vais vous faire écouter ça. Restez tranquille, s'il vous plaît. Sisan ye retard dɔ ta parce que ne tun taara Buba ni Kadɛri u ka famille la n taar'u fo et quand j'étais chez eux n bɛ kuma in fo n b'a fo tubabukan na n bɛ tila ka essayer bamanankan fana la quand j'étais chez eux j'ai expliqué à leurs épouses à leurs parents que Bouba et Kader étaient dans MK. Bon, ça sont les détails, ce qui nous intéresse. Chacun d'entre eux. Je vais vous amener à un niveau là où vous allez, voilà, ici. On va écouter maintenant. Oui, président. Parce que c'est bon que les Maliens sachent bien ce qu'il est devenu. Au début, je n'étais pas sur le même mouvement. Moi, je viens de dire, c'est celui des MK. Moi, je viens de dire, Vous savez, ces histoires de MK, M5, RFP, c'est la poudre aux yeux. Les histoires de MK, hein, M5, RFP, là, c'est la poudre aux yeux. En réalité, il est très fort dans ça, le Premier ministre, il est très fort, c'est un orateur, il est très bon dedans. Mais je vais vous ramener, je vais vous amener un peu plus ici pour que vous puissiez, attendez, je suis allé un peu loin, je reviens ici, un peu en arrière encore, voilà, là c'est bon, on va écouter. Pas grandiloquent, mais c'est juste de l'histoire. Parce que c'est très important chaque fois de se rappeler des cas de l'histoire. Quand les Africains se réunissaient, les chefs d'État, il y en a qui disaient non, il ne faut pas parler avec l'Afrique ici. À cause de l'apartheid, à cause de Mandela. Les présidents révolutionnaires venaient toujours parler contre. Et puis il y a un président qui dit que lui, il va maintenir les relations avec l'Afrique. Quand les autres se sont mis à les critiquer, je ne donne pas des noms, juste des convenances protocolaires. Les noms sur le premier, moi, je vais vous aider facilement.
ceux qui ont maintenu les relations diplomatiques avec l'Afrique du Sud, il y avait Félix Houphouët-Boigny dedans. Félix Houphouët-Boigny n'a jamais voulu rompre les relations diplomatiques avec l'Afrique du Sud. Monsieur le Premier ministre, comme je vous le dis, je suis un peu versé dans la politique. Hein? Je n'étais pas à cette époque peut-être né encore, mais je suis quelqu'un qui s'est beaucoup cultivé par le renseignement, les informations, la lecture, les recherches. C'est Félix Houphouët-Boigny qui a été beaucoup critiqué en Afrique pour avoir maintenu ses relations. Et d'ailleurs, il avait à l'époque envoyé Folego, paix à son âme, et son épouse qui était une blanche. Le ministre Donald Folego et sa femme blanche, pour dire aux Sud-Africains que noir et blanc, vous pouvez vivre ensemble et en harmonie. Donc, monsieur le Premier ministre, c'était juste ce que je voulais apporter comme Et l'autre leur a dit, mais vous là qui parlez comme ça, où sont vos opposants? Vous les avez tous tués? C'était au fouet. Tous ces chefs d'État là qui vous disaient des problèmes, qui a été vos opposants? Les Blancs au moins n'ont pas tué Mandela. Ils auraient pu les tuer en Afrique du Sud. Mais ils l'ont mis en prison. C'est qu'ils voient plus loin. Écoutez bien. Le monde est tué. Tous les donneurs de leçons se sont tués. J'ai dit à leur famille, aujourd'hui, Écoutez, il y a voilà. beaucoup de gens qui deviennent des donneurs de leçons. Mouba et Kader, le M5 n'ont de leçons à recevoir de personne. Alors, Bouba et Kader et le M5 n'ont de leçons à recevoir de personne. Monsieur le Premier ministre, je crois que l'humilité précède la gloire. Nul n'est censé tout connaître et nul ne peut tout connaître excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Le M5RFP n'est pas une organisation divine de Dieu. Donc tous les êtres humains peuvent se tromper. Et le M5RFP recevra des leçons ce soir de Cheikh Marketa. On va vous donner des leçons ce soir, sans vous insulter, dans le respect de la loi, dans le respect de l'institution que vous incarnez. On va vous donner des leçons. Parce que nous sommes là. Quelle société, dans quel monde, on ne peut pas donner leçon à une organisation? Parce qu'il y a des gens qui sont morts parmi vous, mais avant vous et ceux qui ont fait la lutte de l'indépendance. Mais vous venez de parler du M5RFP, c'est comme c'est vous qui avez donné l'indépendance au Mali. Vous n'avez pas donné l'indépendance au Mali. C'est Mouribou Keïta qui a donné l'indépendance à ce pays. Félix Houphouët-Boigny, Senghor et tous les autres là qui ne sont plus de ce monde. Le M5RFP a mené un combat. Mais ce combat, le M5RFP ne l'a pas mené seul. Parce que quand vous parlez aussi, c'est important de le dire. Vous parlez M5, M5. Aujourd'hui, le M5 est capable de mobiliser combien de personnes à Bamako? C'est à cela que moi je vous attends. Parce qu'aujourd'hui, là, vous n'êtes pas en mesure de faire cette mobilisation. Oui, le M5 à l'époque où vous étiez avec Diko, où vous étiez avec les Bitar et autres, ceux qui ont fait M5RP Malikro. Mais aujourd'hui, là, le M5 que vous avez, vous pouvez mobiliser qui au Mali? Disons-nous la vérité, vous pouvez faire sortir combien de personnes à Bamako? On a vu votre petite organisation au Palais des Sports ici à Lassi, où pratiquement la moitié de la salle était vide. Contrairement à ce que Ben a fait avant son arrestation, Ben avait rempli le Palais des Sports ici à Lassi. Il roule debout sur les remparts, avait rempli. Mais le M5RFP, de ton côté, on a vu, la salle était remplie à moitié. Plus de la moitié n'était pas là. Donc aujourd'hui, là, quand vous parlez du M5RFP, il faut dire que le M5RFP était une organisation circonstancielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait une situation circonstancielle. Il y avait une situation où le peuple malien ne voulait plus. C'est par rapport à ça que le M5RFP est né. C'est au regard des frustrations. Donc ce n'est pas le M5RFP qui a créé le Mali, qui a encore mis au monde les Maliens. Ce sont les Maliens qui ont décidé de mener un combat. Et vous avez été les leaders de ce combat. Alhamdoulilah, avec le peuple, vous avez gagné. Mais sinon, si on vous pose la question, quel membre de vos familles était à la première ligne dans ce combat du M5RP? Chouguel, lequel de tes enfants était en première ligne? Personne, zéro. Cite-moi un seul leader dont les enfants étaient en première ligne dans cette organisation du M5RP. Ce sont les enfants du Mali qui étaient en première ligne. C'est eux qui ont été tués, c'est eux qui ont reçu des balles, c'est eux qui ont été incarcérés, c'est eux qui ont été blessés. Donc quand vous parlez, il faut parler avec une certaine mesure, parce que nous sommes tous là, on n'est pas amnésiques. On a vu ce qui s'est passé, même si on n'était pas, nous, impliqués directement. Mais on suivait l'actualité, on a vu ce qui s'est passé. Il y a des moments où ces événements se produisaient devant moi. J'étais témoin oculaire.
Donc, il y a des choses, monsieur le Premier ministre. Vous parlez du M5RP, c'est comme le M5RP aujourd'hui est une organisation puissante comme le Hezbollah, comme quoi, là, je sais pas, moi, comme le mouvement des Fatmata Batulé en Bicom. Non, le M5 aujourd'hui, comme l'a dit Kaoudjim, le M5 est mort de sa belle mort. Kaoudjim l'a dit. Personne n'a peur aujourd'hui du M5 que vous incarnez. Personne n'est effrayé aujourd'hui du M5 que vous incarnez. Parce que les piliers de cette organisation ne sont plus là. Il ne reste que vous et vous seul. Monsieur le Premier ministre, il ne reste que vous et vous seul. Donc quand vous parlez du M5RP, qui se retrouve dedans? C'est comme Alassane Ouattara avec son RH de pied. Le PDC est parti, le MFA est parti, tous les grands partis sont partis, et aujourd'hui le RH de pied ne ressemble qu'à lui-même. Donc comme dit Kaoudjim, le M5RP est mort de sa belle mort. Alors, on va écouter et puis on va décortiquer les propos du Premier ministre. En termes de papier, ils n'ont posé aucun acte contraire aux intérêts. Il dit, ceux qui ont été interpellés n'ont posé aucun acte contraire aux intérêts du Mali. Waouh. Donc, l'arrestation est arbitraire, illégitime et anticonstitutionnelle. Waouh. C'est pas moi, il a dit. On va continuer à l'écouter. Le mémorandum pour lequel Bouba a été tenu, personne ne peut dire qu'il y a un point là-dedans qui est faux. Personne. Donc, il dit que le mémorandum dont Bouba a signé, que tout est vrai. Alors, c'est ce que je voulais que vous écoutiez et c'est sur ça que nous allons axer notre débat. D'abord, je voudrais demander au président Assimi Goïta. Il est temps, monsieur le président Assimi Goïta, que vous preniez vos responsabilités. Alors, Balmo, comment tu m'en fous là? Bi. Ambe à la fin d'un temps, oubi, d'un doi, au signe à la caldoin. Chougal irebola, si c'est un kaïra, ou à djenyon mounina, ou mounina galon de camp, ou y fait fait fond, ka bechien, ou y fait fait fond, président Simima, chougal ko kakma bechien. Ko Assimi a te ka benga mbulu nyonche ko Assimi te ko bato tukune. Donc, ko janfa bola Assimi de fanfe. Shugele beka ko refo nanzara kalani. Ko ye fefe, memerandom mkama ni buba mlena. Ani cheni mkumana, ka doya make, ka ekleme kuma dola, ako ki no rien fie ki contraire aux intérêts du Mali. Alors, aka kaderni, a yi dafa anga ministri la ka doya. Shugele ko, ko bena Abdoulaye Maïgama. Alors on ne comment faut tu bi kuma ka gel. Parce que ni massa faut tu là. Il dala kan beta yelema ka fo ki kuma do fema mfo. Bon ne polo choroba ni shia ke resoro. Nini donu be jedo la. Ni fili dona ibu wili abe kuma. Nu maso itama iba fo bonne nana malikoli la. On be ka siram tama ni te malika sera ni te malo trabole. Donc ay ya fanema ni aga continue na ko bare ne shogen ta fe ndo ka fonna parce qu'ama benka ni te benka ne beta mais o shogel chogorba de bodongo do ka Assimi ana ajenyo talo ob se ka fami a chodi premier ministre me boka present talo ana ajenyo o bini jobi ko ne ni fe fe fola ka beti galon fe fe dala Assimi la parce que ne bolo galon de do ko beti bon si ça malion belle ganga parce que neni na tolé depuis kuma dia. Abe comme si ça ne ma flinga kuma la, mais c'est ka flide, tiens à la tali. Abdou Nyang bola ga ke kuma do fo ani ne reche kuma keita, mais c'est ka fo ma joto joro la de. Parce que ibe muna me ibe i club de namu ne be kuma nuri, club ma domina ni afo ye galon tike. Ibe ta solo do fene joro be, mais club ma do ka kuma la. Club de namu tala, o ya Abdou Nyang de. Madon allez ni anye kelem ke misse ka fo a kuma o de shogel pousse bi ka bo ka kuma amena continue ni nazara kan ka to son ka a wala wala babana kan la o ba famia don. Alors vous voyez le premier ministre qui dit pour créer la division c'est facile, pour créer le chaos pardon, il faut créer une tension, il faut créer une confusion entre le premier ministre et son président et puis c'est fini, vous avez gagné.
C'est le développement qu'il a fait. En fait, c'était ça, c'était à ça qu'il voulait aboutir. Et Dieu nous a alertés, je le dis, et je présente mes excuses s'il y a des noms que je ne cite pas. Je sais que beaucoup de gens se battent, Drissa Mehmeta, le général, il y a un jeune là qui est surtout sur Afrique Média, là aussi, le général Diawara, voilà. On est beaucoup, on parle tous. Mais c'est Abdoul Niang qui m'a convaincu dans cette histoire, le M5-RFP Mémérandum. Donc, au regard de ce que j'ai développé, après avoir entendu Abdoul Niang, je me dis, bon, on a la même vision. Lui, il est plus expérimenté à parler en Bambara, dans sa chaîne de radio. Moi, je parle en français, je suis plus à l'aise à parler en français qu'en Bambara. C'est pourquoi je n'aime pas trop me lancer en Bambara. Pas que j'ai pas envie, mais faut respecter. Faut pas dire des choses, puis les gens ne comprendront rien. Dis pour informer, ok? Alors, le premier ministre, voilà un premier ministre. D'abord, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au propos du premier ministre? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Quand vous êtes nommé premier ministre, vous avez un entretien avec le président. Vous tombez d'accord sur un minimum, sur une certaine orientation, un cadre de collaboration, un cadre de coopération. Si l'un d'entre vous dévie de cette trajectoire, en tout cas, le second est obligé d'interpeller pour dire, oh, attention, partenaire, c'est pas ce qu'on a dit, ce qui se fait là. Le peuple ne comprendra pas grand chose, il faut continuer sur notre trajectoire. Mais regardez bien comment c'est dangereux ce que le premier ministre a fait. Et je suis fier d'avoir participé à pousser, et personne ne viendra vous dire que c'est à cause de nous que le premier ministre est sorti pour parler. Mais seulement ceux qui sont égarés, sinon toutes les personnes averties, toutes les personnes avec une petite dose de connaissance, tous ceux qui sauront que nous sommes à la base, c'est nous qui avons poussé le premier ministre à sortir. Cette affaire a commencé il y a longtemps, mais pourquoi c'est maintenant qu'il sort? Surtout depuis la semaine dernière, les trois sorties de Keïta et les sorties quotidiennes d'Abdoul Niang ont amené le premier ministre à s'assumer. Parce qu'Abdoul Niang a dit clairement que ce mémorandum-là, tel qu'il connaît le premier ministre, c'est le premier ministre qui a rédigé ce mémorandum. Abdoul Niang l'a dit. Mais ce qui est intéressant ici, le premier ministre ne dit pas j'assume ce qui a été dit. Il dit j'ai été arrêté pour leurs opinions. Et là ici, le premier ministre ne prend pas la responsabilité de dire que j'ai participé à l'élaboration de ce mémorandum. Ok. S'il ne le dit pas, les propos qu'il a tenus nous amènent à comprendre que le premier ministre a bel et bien participé à la rédaction du mémorandum. On va développer tout ça, je vous en prie, mais écoutez seulement. Alors donc, voilà le premier ministre qui, comme j'avais toujours dit, j'ai dit, mais j'ai du mal à comprendre que le premier ministre ne sorte pas pour condamner les attaques contre le président Simi Goïta. Et il est premier ministre. Est-il opposant ou collaborateur d'Assimi Goïta? Il va falloir qu'il se décide. Et j'ai dit que c'est dans son entourage que certaines informations sont données de l'autre côté, là-bas, ce petit voyou qui a perdu la tête, le fou, qui s'est permis d'insulter. Aujourd'hui, tout le monde est unanime. Alors, vous avez aussi compris la frénésie de son ami Alaï Bokoum, qui est sorti. Alors, je comprends maintenant pourquoi on dit que Keïta est quoi la même, comment ils appellent ça? Quel est le nom qu'ils ont utilisé là? Les choses sont tombées. Je comprends maintenant la virulence de l'attaque d'Alaï Bokoum contre ma modeste personne. Je comprends aisément. Ils communiquent entre eux, ils parlent entre eux, ils savent ce qu'ils se disent. Mais nous avions informé à l'époque. Alors, je vais remonter. Merci à toi, Abdoul Karim Kone. Il faut maintenant écouter très bien la différence entre Keïta et les plaisantins. La seule personne que je respecte dans ce pays véritablement pour la grandeur d'esprit, c'est Abdoul Niang. Cela ne veut pas dire que je respecte pas les autres, pas du tout. Merci, imposteur, merci beaucoup, imposteur. C'est le mot qu'ils avaient choisi, imposteur. Alors, je comprends maintenant pourquoi on m'appelait imposteur. Parce que j'étais gênant.
J'ai perturbé. Alors, vous commencez à comprendre maintenant ce que le premier ministre a dit là. Vous comprenez pourquoi on a traité Keïta d'imposteur? Vous comprenez maintenant pourquoi? Dieu merci. On va continuer. Avant que Shogun ne tombe malade, c'est la ministre chargée des réformes institutionnelles et je crois le ministre garde des Sceaux qui ont été au CNT pour présenter le projet de la Constitution. Non. Le projet de la loi électorale. C'était pas encore la Constitution, la loi électorale. Et au sein du CNT, la ministre qui est proche collaborateur de Shogel, puisque elle est ministre rattachée à la primature. Et Shogel n'a pas apprécié le fait que la ministre a été beaucoup cuisinée. Et ça, tout le monde l'a vu. La ministre a été sérieusement cuisinée par le CNT. Et on a vu les mêmes supports de Shogel qui sont sortis pour dire que si ceci s'est passé, que le président Assimi Goïta a laissé le CNT tenter d'humilier Shogel Kokalamaiga. Je vous ramène des années en arrière, écoutez très bien, parce que tout est lié. Donc depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, un bon politicien, Shogel s'est donné des coups. Il attend au bon moment pour vous donner le bon coup. Ensuite, après ça, il y a eu le remaniement ministériel. Et dans le remaniement ministériel, selon eux, Shogun n'a pas été consulté. Et parce que tous les ministres de M5RP ont été remerciés. Et j'ai été remercié. Donc, ça fait deux... C'est ce que moi je connais. Mais Abdoul Niangoul est tellement fort, il va vous développer encore plein d'autres choses. Mais moi, je vous parle seulement de deux cas que je connais. C'est-à-dire la réforme de la loi électorale où la ministre rattachée à la primature a été cuisinée par le CNT, ce que Shogun n'a pas apprécié parce qu'on a vu la réaction des activistes du M5RP, comment ils ont commencé à accuser Assimi Goïta et que c'est lui qui a permis cela. Deuxièmement, le remaniement ministériel, ils ont dit que Shogun n'a pas été consulté. Alors, pour savoir que Shogun n'a pas été consulté, il aurait fallu que Shogun lui-même le dise ouvertement que je n'ai pas été consulté. Et Shogun l'a dit ouvertement aux jeunes du M5RP qu'il n'a jamais été consulté. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Lorsque la crise du pétrole, c'est-à-dire la crise de EDM a commencé, Shogun a dit Dieu merci. Écoutez très bien, hein? C'est pourquoi je dis à Shogun de faire beaucoup attention. Il a en face de lui, nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Moi, je ne suis pas un donneur de leçons. Moi, je rappelle les faits. Parce que j'estime que quand on parle, on laisse des traces. Quand on marche, on laisse des traces. Moi, je vous donne un exemple. Les gens ont du mal toujours à trouver le nom du parfum que j'utilise. Pour la simple raison que ça n'existe pas. C'est Keïta lui-même qui fait ses combinaisons. Il achète différents parfums. Il fait sa propre combinaison. Et quand les gens me demandent, j'ai dit, si je vous donne le prix, vous allez crier. Donc, ne me demandez même pas. Laissez ça comme ça. Donc, le parfum, il y a des gens qui le connaissent. Dès que je suis là, on dit, ah, on sait que Keïta est là. Même quand il y a des supermarchés où je suis ami avec des gens qui travaillent là-bas. Quand je rentre net, les gars me cherchent dans les rayons. On dit, oh, Keïta, hein, il y a un parfum, Kazamama, Rubia. Donc, quand je rentre, je laisse des traces à travers mon parfum. Quand je viens à ma voiture, je laisse des traces parce qu'on se souvient que Keïta était venu à une telle voiture. Quand tu parles, tu laisses des traces. Alors, Shogun, il a aussi. Troisième point, il a pris habitude pour réunir les jeunes gens du M5RFP pour aller parler. Et quand il va parler, au lieu de parler de la vie de la nation, il va parler des relations entre lui, des prétendus complots qui se préparent contre lui. Odobegakure, qui est président, Doyerabolo, qui est premier ministre, amenez les premiers ministres. Il a, ça avec les jeunes du M5RFP qui disaient ça. C'est ça. Alors, ils ont commencé à remarquer les propos et les sorties de Shogun. C'est pourquoi je dis, si vous croyez que les militaires sont novices en politique, c'est que vous êtes idiots. Ils vous observent. Et les plus grands politiciens au monde, ce sont les militaires. Parce qu'ils ont la discipline, ils ont l'enseignement, ils ont la maîtrise, ils ont la connaissance, ils ont l'observation, ils ont l'humilité, ils ont la patience. Et là, quand vous avez ces qualités-là, vous devenez
un as en politique. Et tous les nos chefs d'État militaires, là, ils ont ça. Ils observent. Ils ne sont pas pressés. Ils sont patients. Et puis, ils regardent. Comme le lion qui guette sa proie. Patiemment, il ne bouge pas. Comme un drone que vous mettez dans les nuages pendant 24 heures. Il est là et puis vous regardez, il ne bouge pas. Le direct est attaqué. Faites un effort pour partager, je vous en prie. Et pompez le maximum de cœur. Merci à toi, Batinis. Sois le bienvenu. Alors, il a parlé de ça. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Je l'ai interpellé à plusieurs reprises d'arrêter ça. Je crois que finalement, il a un peu arrêté. Enfin, c'est ce que je crois. Alors donc, on dit que Assimi Goïta a formé un gouvernement où Shogun n'a pas été convié. Il n'a pas pris part. Alors, écoutez très bien. Maintenant, et dit le mémorandum, tout est vrai. Tout ce qui a été dit est vrai. Mais la question qu'on se pose, quel genre de premier ministre est Shogun Kokalamaiga? À quel jeu joue Shogun Kokalamaiga? Pourquoi il fait ça? Alors, il dit, tout est vrai. Tout est vrai. Maintenant, dans le mémorandum, ils se sont arrangés dans le département qui le concerne, en plus de l'armée, les réformes institutionnelles, les réformes sociales, tout ce qui concerne les réformes politiques, on dit tout a été un succès. C'est-à-dire, quand vous regardez bien dans le mémorandum, tout ce qui se rapporte à Shogun Kokalamaiga, ils ont applaudi que c'est. Maintenant, tout ce qui concerne Assimi Goïta, il y a un problème, à l'exception de l'armée. C'est pourquoi il a dit, quand la crise de l'énergie a commencé, il dit, ah, les Rémas sont candidats. Écoutez très bien, hein? Il dit tout ce qui a été écrit dans le mémorandum, c'est vrai. Mais regardez et écoutez ce qu'il a dit. Il dit, si vous voyez que je n'ai pas voulu m'impliquer dans la nomination des ministres, c'est à cause de ça là. Parce que, n'est-ce que le ministre ou quelqu'un, tu me fois là. Ça veut dire quoi? Je ne me suis pas impliqué dans le choix des ministres. Si j'étais impliqué dedans, cette histoire de crise énergétique, j'allais être indexé. Donc, j'ai préféré ne pas m'impliquer dedans. Alors, donc, tu dis devant le monde, pour te dédouaner, que tu n'as pas voulu t'impliquer. Il a dit, la vidéo est là. S'il peut jurer sur le Coran, il n'a qu'à jurer sur le Coran. Qui n'a jamais dit ça? C'est pourquoi je dis, quand vous parlez, vous laissez des traces, monsieur le premier ministre. Et je vous ai toujours dit, faites attention parce que je suis le baobab de Dieu, planté au milieu de l'humanité. Et je suis un as en communication. Ici, là, c'est un disque dur. Vous avez dit devant le monde entier que Dieu merci, vous n'avez pas participé à la mise en place du gouvernement. Sinon, cette crise énergétique, on allait vous faire porter le chapeau. Que aujourd'hui, Dieu merci, vous n'êtes responsable à rien. Vous l'avez dit, monsieur le premier ministre. Et aujourd'hui, vous venez nous dire que tout ce qui a été dit est vrai. Alors, entre ce que vous avez dit et ce que le mémorandum dit, que vous n'avez pas été consulté pour la mise en place du gouvernement, alors que vous dites que vous n'avez pas voulu vous-même prendre part à la mise en place de ce gouvernement, monsieur le premier ministre, où se trouve la vérité? Où se trouve la vérité, monsieur le premier ministre? Vous allez dire ça au peuple malien, moi je ne vous accuse de rien, j'ai dit. Ce direct-là n'est pas un direct d'émotion, c'est un direct de fait. Keïta va rappeler les faits pour mettre le premier ministre face à ses responsabilités et demander au président de s'assumer. Si le premier ministre décide d'être opposant, on peut plus l'accepter comme premier ministre. S'il veut être opposant, il rend le tablier d'une manière ou d'une autre. Et moi, je souhaite que le CNT interpelle le premier ministre pour lui poser des questions sur les propos qu'il a tenus. Je demande à Malick Diaw d'inviter le premier ministre à venir s'expliquer sur les propos qu'il a tenus. On va continuer. Alors donc, on dit, ça c'était d'abord le côté de l'élaboration des ministres. Alors, il dit le M5RFP, tout ce qu'ils ont dit est vrai. Tout ce qu'ils ont dit est vrai. Donc, quelque part, ils ont été arrêtés de façon arbitraire. Donc, lui, il est en relation avec le président.
Il voit que le président est en train de se dévier de la trajectoire. Une trajectoire qu'ils ont tracée ensemble. Et lui, il n'a pas jugé utile ni nécessaire de dire au président, attention, monsieur le président, vous êtes en train de vous écarter. Il ne l'a pas fait. Alors, je viens. Vous savez, j'avais dit quelque chose la dernière fois. Je reviens. Une parenthèse. J'avais dit que si nécessaire, attendez, fait de gros boulot là. Tellement je vais faire talakou sur mes détracteurs, la gros boulot là, je suis pas habitué. Ça, c'est mon papa qui maîtrise ça. Mais son homonyme, Gaussou, la partie Salana, il commence à aimer les boulot trois pièces là. Parce que pour lui, là, on court avec un petit style. Et donc, il est tellement fan de ça. Il vient, hey, papa, donne même un bouton de manchette. Ça fait, c'est. Alors, une autre raison, je vous avais dit que on peut écarter le premier ministre sans le destituer. J'avais dit cela, c'est pas ça? Mais je viens de recevoir la confirmation que effectivement, il y a des dossiers importants que je ne vois plus dedans. Ah, Keita, comment ça? D'accord. Le Niger, qui allait négocier tous les contrats au nom du Niger? C'est le premier ministre Lamine Zen. Au Mali, c'est le ministre de l'économie et des finances qui va, avec les ministres concernés, négocier tous les gros projets, les grands projets de développement du Mali. Le premier ministre, il voit rien dedans. C'est toutes ces raisons-là qui mettent à mal le M5 RFP côté Chouguel Kokola Maïga. Parce que quand il regarde de près, il voit que, attendez, combien de fois notre ministre, notre charmante belle dame, la ministre du transport, hein, avec la ministre de l'énergie, notre sœur, et puis le ministre Sadio, je crois c'est, ouais, transport, énergie, Sadio, combien de voyages ils ont fait en aller-retour en Russie en l'espace de quelques mois. Et chaque fois leur déplacement, c'était le ministre de l'économie et des finances qui était le chargé de mission, le chef de mission, pardon. Et il rendait compte directement au président. Chouguel n'a pas apprécié ça aussi. On n'a pas envie de dire tout ça, mais on est obligé de présenter les faits. C'est pas un secret d'État. Seul un bon observateur peut vous dire ça. Donc, il y a des dossiers importants que Chouguel ne voyait plus rien dedans. Désormais, il était figuratif. Mais alors, est-ce que c'est la faute d'Assimi Goïta ou c'est la faute de Chouguel Kokola Maïga? Mais le président ne peut pas laisser des dossiers sensibles à votre portée quand votre entourage a la bouche légère pour insulter, pour dénigrer. Un oui, un non, c'est eux qui vont sortir pour parler. Alors, comment le président peut vous laisser gérer des dossiers importants? Ça sent bien que votre entourage est perforé, imperméable. On ne peut pas. Non, moi, je vous pose la question. Hein. Qui allait négocier affaire d'énergie, là? C'est Chouguel ou bien c'est le... C'est les deux ministres, économie et finances, et puis la femme, là. Chouguel n'a jamais été en Russie avec nos ministres pour aller faire quoi que ce soit. En réalité, c'est ce qui se passe toujours. Soit c'est le vice-président, soit c'est le premier ministre qui accompagne les ministères concernés, les ministères techniques, pour aller faire gérer cette... Mais Chouguel n'est jamais parti. Bon, tout ça peut expliquer la frustration de son mouvement. Tout ça peut expliquer les sauts d'humeur autour de lui. Je ne dis pas que c'est ça, mais il y a tellement d'indices qui convergent dans le même sens, qu'on est obligé de les regarder tous. Nous sommes en politique. Parce que pour dire ce qu'il a dit aujourd'hui, il allait dire aux parents des détenus que vos maris ont été sont détenus, pardon, illégalement, injustement, à cause de ce qu'ils ont dit. Ils n'ont rien fait de mal. Bengali Kaloka. C'est ce qu'il dit. Fanga Benouka. Mais en tant que chef de l'exécutif, quelle est sa part de responsabilité? Qu'est-ce qu'il a fait pour éviter ça? Quand vous êtes nommé premier ministre, ce n'est pas seulement pour prendre des gros salaires, ce n'est pas seulement pour vivre dans des largesses, je ne sais pas comment vous le dites, mais vous êtes le premier conseiller direct du président. À ce titre,
Vous devez négocier avec le président chaque fois que cela est nécessaire. S'il y a une incompréhension quelque part, vous demandez au président, Monsieur le président, comment ça se passe? Mais vous dites, le président me nyongo kalamao, abe mo nyala ko te fo kalama, abe mo nyala ko asimi me décision ta, ma asimi me décision fait fait ta, aba be fonyé. Mais comment tu peux dire ça? Et puis aujourd'hui, tu tiens ces propos. Monsieur le Premier ministre, à quel jeu vous jouez? À quel jeu vous jouez? Vous ne pouvez pas dire que le président vous tient informé de tout. Et puis ensuite, venez dire que le mémorandum de votre club, de votre association, de votre mouvement, que tout est vrai dedans. Donc, vous n'avez jamais été sincère avec le président Assimi Goïta. On peut se poser cette question légitimement. Est-ce que vous avez été sincère avec le président? Est-ce que vous jouez à un double jeu avec le président? À quoi jouez-vous, monsieur le Premier ministre? Vous ne pouvez pas dire, je suis au courant, le président m'informe, il me dit tout, et puis ensuite venez dire que tout ce qui a été dit, c'est vrai. Alors qu'on accuse le président de toutes ces choses-là. Donc quand vous dites que le président vous informe là, pourquoi vous n'avez pas dit ça à votre organisation? Donc quand le président vous informe là, pourquoi vous ne pouvez pas dire, ah, monsieur le président, ce que vous avez dit, c'est vrai, mais attention, est-ce que cela correspond à notre vision? C'est compliqué. À quoi ça sert? Donne-moi un second, s'il vous plaît. Pour nous, c'est important. Il faut qu'on se comprenne bien. On ne peut pas continuer comme ça. Nous ne venons pas ici, je l'ai dit, hein. Keïta ne vient pas ici pour dire qu'il va exposer, manquer de respect. Keïta, je l'ai dit dans l'entame de mes propos, je viens pour exposer les faits pour que chacun puisse avoir une idée. Que chacun ait une idée de ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, au moins, il a le courage de dire que le mémorandum est vrai à 100%. Mais et entre-temps, il nous disait, Monébodéon, entre-temps, il nous disait, le président, il me consulte toujours, il me tient informé toujours. Mais comment le président vous tient informé tous les jours des décisions qu'il prend et vous venez lâcher le président ainsi devant le monde entier? Qu'est-ce qu'Assimi a fait pour mériter aujourd'hui les propos que vous tenez là? Mais pourtant, Sadio Camara, il a son beau-frère qui est encore en détention, monsieur le Premier ministre. Le ministre de la Défense, Sadio Camara, il a son beau-frère qui est encore en détention. Il n'a jamais, jamais, jamais tenu de tels propos. Jamais. Il dit, je fais confiance à mon beau-frère, que la justice fasse son travail. Et c'est vous-même, Choguel Koukala Maïga, c'est vous, on vous a entendu à maintes reprises dire que chaque fois que le conseil des ministres doit commencer, Assimi Goïta dit, faites attention, celui qui sera pris en flagrant délit, celui qui sera pris dans le cadre d'une corruption, d'un détournement, de quoi qu'en tout cas, il va jamais intervenir, la personne fera face à la justice. Mais comment vous pouvez dire ça d'un président? Et puis ensuite, aujourd'hui, vous sortez avec de tels propos pour dire que ce président regarde l'injustice qui est en train de se commettre, que le président vous retourne dans les faits de l'ancien système. Mais Choguel, vous aurez pu quand même interpeller sur ces pratiques, sur ces quelques mots de votre mémorandum. Alors, tout ce qu'il trouve à dire, que les deux tiers du mémorandum font à la Talakou d'Assimi Goïta, qu'il n'y a qu'une petite partie qui parle mal du président, et c'est sur ça qu'on est tombé. Mais attention, monsieur le président, ce que vous comprenez, monsieur le président, oui, président de son club, mais Choguel, chez nous, les Mangas, chez nous, on dit, parce que comme on aime arachide, on dit quand tu manges arachide, tu manges arachide, tu manges, depuis le matin, tu manges arachide, hein. Le soir, si tu mets une petite graine d'arachide pourrie dans ta bouche, tout ce que tu as mangé depuis le matin, là, tu vomis. Choguel, c'est pas ce qu'on dit chez nous. Mais c'est la réalité qui est là. C'est la réalité. Alors, si vous estimez que c'est une petite partie qui n'était pas bien, alors comment la petite partie doit venir salir tout ce qui a été dit? Pourquoi cette petite partie-là, toi, tu n'as pas dit, ne mettez pas ça dedans. Donnez-moi, je vais discuter ça avec le président. Pourquoi tu ne l'as pas fait, Cheval Koukalamaïga? Parce que, à notre connaissance, tu n'as jamais dit que tu veux rencontrer le président et le président a dit non. Tu n'as jamais dit que tu veux débattre de certains sujets et le président a dit non. En ce qui me concerne,
J'ai dit, je n'ai pas vu. Est-ce que le Mali sait que vous avez cherché à voir le président et puis il ne l'a pas fait? Parce que Nini Morobe dit là, Sonika Boy Nyokoro Kata, Internet Ika, Kato, Ika, politique ton Luka Boka, comment le faux président. Vous voyez, Shogel, quel est le coup? Il va faire Dongo, ni président Bidongo Kalam, ni président Mina Koko Abiwele Kassara là. Même si la fortune est présente, mais est où elle cassera elle là. Et bien, la tournée carbone nous commence où? Comme nous menons là, comme Bengali Kaluka, Katafo, nous sommes où? Comme Fanga Benuka. Mais Fanga Benuka, parce que y a garanti la Fanga là. Mais elle, elle est avec un bon cafou, on y est comme Mone Bordeaux. Donc, Mone Bordeaux, nous, elle est avec un fond. Donc, comment bébé d'un qu'on a sugel? On a gagné la ligne à 600. Nous, mais bon, elle est dans la sugel. Est-ce que, il veut, je sais pas comment, est-ce qu'il est dans la commande de Doha? Ou bien vraiment, il veut qu'un faux parce que il sonne quoi, il y a faux. À Beni, mais il veut qu'un faux. Vraiment, t'as dans ma faute, comme là. Parce qu'il sait qu'un faux qui est très fort présent. Quand tu veux qu'un faux, mon ami, bon, il mourit, le présent soit à col. Hein? Il mourit tout le cas, soit à col. Parce qu'il a comment pour dire. Et quoi, il veut très fort, mon ami, mon ami, bon, il mourit, comme aussi, quoi, tu vois. Et quand il faut, il mourit, bla. Amena, que quoi, tu vois, m'sais qu'à bien là. À Dian, il n'a pas comment faire. À Dian, il mousse, mais il n'a pas de présent là. En abe. Je vais aller de la coquille. Donc, en ce là, il y a un balmo, à cana balmo aussi là, il va sur Shugel, il va sur Shugel, bam, il va sur un bola kalama, qu'au fou, il était tout gagné, Shugel, bien à ta. Parce que, politique, il y a une mauvaise position de là, n'a commencé là, qu'à kuma de fou, il va sur un dan bala, qu'au, à l'écarto, ni placé là, tout gagné, là, tout gagné, bien à ta, quoi. Donc, au con là, là, parce qu'à l'arrêt à forêt, quand il y a d'abord comme un katana, n'a qu'un cortège, n'a qu'un ministre, ça dit, quand il y a une info, à béka, il moque à similaire, quoi. Qu'un premier ministre, ou, un cas garde-corps, ou, un cas mobile, ou, qu'un bête, qu'un katana, nous, qu'un katana, nous, qu'un katana, 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 donc, à Terani, un premier ministre immobilier, à Terani, un garde-corps, oui, à Terani, un protocole, oui, qu'à ta fois, mon bébé, qu'à soi, qu'à ta fois, l'homme, soi, ou soi, moi, qu'au Bengali, quel ou quand. Ah! 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 Bon, monsieur le premier ministre. Donc, il le dit, hein, dans ses propos, il dit, j'ai fait exprès. Je suis allé avec le cortège officiel du premier ministre. Donc, il n'est pas allé en tant que Shogel Kukala Maïga. Il n'est pas allé en tant que président du M5-RFP. Mais il est allé en tant que premier ministre. Alors, cela, il y a une leçon. Parce que ce monsieur-là, d'après lui, il a 40 ans de vie politique, il est très fort. C'est pas ça? Donc, il y a un message qu'il véhicule. Pourquoi il va avec les véhicules de fonction? Parce qu'il est premier ministre. C'est pas ça? D'accord. Est-ce qu'il avait besoin de tenir les propos qu'il tient? Alors ça, c'est un désaveu. C'est un désaccord. Shogel vient de démontrer que c'est fini. Le Hassimi, il n'y aura plus d'entente. Donc, il va commencer à lancer des flèches. Il va commencer à lancer des piques. Il va commencer à attaquer Hassimi Goïta. Ce n'est pas moi qui le dis. Il l'a dit. Nous, on ne fait que rapporter les faits. Et les présenter devant vous. Je l'ai dit, je le répète, il appartient au président Simi Goïta d'assumer pleinement ses responsabilités, de prendre les mesures qu'il faut. Parce que ça là, c'est une cacophonie qui est en train de se mettre en place. Et le peuple actuellement n'a pas besoin de ça. Le peuple, si le peuple a été résilient, c'est parce que le peuple fait confiance à la transition. Merci, c'est une défiance, mais il a défié même l'autorité d'Assimi en allant avec les véhicules de la primature et puis tenir des propos. Mais lui, il aurait pu envoyer un avocat, l'avocat du M5-RFP, vers le procureur. Parce que quand il parle, il ne dit pas que ni avocat au Blakata, j'ai envoyé des avocats et voilà les accusations qui sont portées contre ces gens-là. Donc, Shogun ne fait pas de tout ça. Hein. Tellement il a ça ici, tellement la boule est là, l'os est là, tellement il est énervé. Il dit, ils ont été arrêtés.
Ils ont été arrêtés à cause de leurs opinions. C'est ce que Shogun a dit. Donc, c'est normal pour lui que le monsieur qui a insulté Abdoulaye Maïga, le ministre d'État, pour le Shogun, c'est normal qu'on insulte Abdoulaye Maïga de cette manière. C'est normal pour lui que ces mots violents de trahison qui ont été utilisés. Alors moi, je pense que le Premier ministre, il a déclaré officiellement devant tout le monde sa prise de participation dans la rédaction et la conformité de sa position avec le mémorandum du M5-RFP. Donc Chouguel vient de dire à la face du monde qui c'est lui qui est derrière le mémorandum du M5-RFP. C'est lui qui accuse Assimi Goïta. C'est lui qui accuse la transition. C'est lui qui dit que le pouvoir est en train de changer de trajectoire. Mais je n'ai jamais vu. Alors, permettez-moi une seconde, je vous fais écouter quelque chose. Hein, pour amener, je vais amener Sugar à écouter ceci. Soyez tranquille, je vous en prie. Donnez-moi une seconde. Je vais vous faire écouter ceci. Parce qu'il est bon souvent quand on est. Ça est retardota parce que Nekuntara, on dit que c'est mes fidèles. Moi, je suis très fier d'ailleurs. Vous avez compris, on dit ce sont mes fidèles. Moi, je suis très fier d'ailleurs. Il est très fier que ses fidèles attaquent le président Assimi Goïta. Donc lui, il ne voit pas le mal que quand c'est son entourage qui attaque le président, lui, il est d'accord. Je suis très fier que ce soient mes fidèles. Je suis très fier qu'ils insultent le ministre Abdoulaye Maïga. Je suis très fier qu'on attaque le président Assimi Goïta. Mais quel genre de premier ministre avons-nous au Mali? Peut-être que Chouguel croit qu'il a une certaine popularité et que sans lui, la transition va plomber. Bon, Assimi Goïta, pourquoi tu ne jauges pas sa pouvoir? Pourquoi tu ne sondes pas sa pouvoir? Pourquoi tu ne te débarrasses pas de ton premier ministre et puis on va voir ce que cela va causer comme problème au Mali? Parce que là, maintenant, là, quand vous écoutez les propos du premier ministre ici, tout le monde sait que c'est fini. Un premier ministre ne peut pas tenir ses propos et puis rester au pouvoir avec le président. Ce n'est pas possible. Même au Tchad, où le premier ministre était en compétition avec le président de la transition, il n'a pas tenu de tels propos. Même au Tchad, le premier ministre succès n'a jamais dit ça. Apollinaire n'est pas toujours d'accord avec Ibrahim, mais il a montré une certaine solidarité solide autour de la transition. Un premier ministre n'est pas obligé de rester avec le président. S'il y a problème, incompatibilité, le premier ministre a le droit de dire au président, ce n'est pas ce sur quoi on s'est entendu, je préfère partir. Vous restez, vous bénéficiez de... Mais comme c'est l'argent du peuple malien, monsieur le président, bon, malien, vous venez de ce vous venez de ce qu'à son coup, quand vous Sara, mon premier ministre me présente bien. Malien, vous venez de ce qu'à son à ce qu'à bon madame, parce que Guéléa, je m'en ai donc sur la Guéléa, mais au lieu de ce qu'à faux coup, mais Guéléa ni mouillou, quand tu n'as faux coup, le premier ministre ni à la présent m'a dit, oh, au lieu de voir de bête à la premier ministre Sara. Bon, mais malien, on me son qui n'est pas présent, donc, on m'a mis, a ga yafa ɲɔgɔn ma bɛɛ ka sirata e bɛ kontinu n'i ka perezan ye i bɛ mɔgɔ wɛrɛ bila shogɛli nɔ la ka kuma caman bɔ jamana da la sisan n'a kɛra opozan ye a b'a ka kɛlɛ daminɛ donc an bɛ ɲɔgɔn kunbɛn o la ale ye opozan ye anw bɛ fanga la an bɛ ɲɔgɔn kunbɛn o la an bɛ se ka kuma parce que monsieur le président diyagoya de don taalen ɲɛfɛ i b'i jɔ i jɔyɔrɔ la parce que c'est fini seginjogo tɛ na tuguni shogɛli ka nin bi kuma kɔfɛ. Walahi, ne ni ala cɛ sigi a ta la tuguni n'i b'a yira ko fɛn caman de mara bɛ Shogɛl kɔnɔ a tɛ se k'i sigi dɛ donc a ye kuma daminɛ a tɛna da la tuguni a bɛ nin kɛ sa fo a ta don mɔgɔ mɔgɔ bɛ Shogɛl dɔ i b'a dɔn a b'a kɛ don o don n'a bɔra a bɛ dɔ fɔ donc maliyɛnw ni Shogɛl bɔra don o don mɔnɛbɔden a y'a da la tugun parce que e tɛ se k'a fɔ mɔgɔ ma mɔnɛbɔden e bɛ tila tuguni k'i jɔ ko fɛn fɛn y'o dɔgɔya ko. Et nous, de cadre, lui, est recevoir. Moi, bon, au corps, moulé. Et de ma foco, à la nous, nous, dit Malima. Au corps, moulé. Et bête la tournée, qu'à foyer, à la FM, nous, dit Moroma. Et bête la tournée, qu'à foco, Moroko, le bourgeois, au bébé, Emma. Ah, à la, Shogun. Oui, comment, malin, quand, qu'il y a, là,
Malien gang qui y n'est pas. Il y a comme ça mon faux bide. Sugar tu as beaucoup. Ça dit il y a fanga bla ou pète quand on est né quoi. Il y a fanga bla. Il y a pas délicat. Quand c'est mito à la mort à être. À quatre ans la boule. Il sait qu'à puna ou le soir il y aura de la quoi. Mais nous qui va que galéaille. Bon à quatre ans ou à la quelle fin de boule. Il est bon il m'a lui à d'aille quoi. Bon oui, n'est d'un bon animal lui. Et d'adoro tu sur le jaman ou malade ou à banni. Moko ma fo ki be fin don wo tien be politique don wo tien mais ko nu tien ni be tien de kele e be mu don ko nu politique la ni be kele de wo ki le flana fene ni e sabote wala sabote do shugeli sabote ala sabote do mesigata i sabote ala sabote do donc adaka mu daga di la na simika be malion ka here ko na la bon ni ko ki be fara sera be di ma be ta. C'est ça, nickel opposant. Amenons ce jour, ben. Nickel opposant, amenons ce jour. Mais au fait, on rien de quoi. Où est-ce qu'on était quoi? À fond, mais t'as où on était quoi? Où on rien flatté? Mais petit brim, mon coroco présent, présent, et qu'à patron, et mettre la tombe gâteau, comme on gâteau, comme on gâteau, et puis j'ai trouvé que le fait pour mon co-bêtier. Ah, sugar. Et puis, la co-gélade. Ne quittez pas, je vous montre, je vous fais écouter quelque chose par rapport au premier ministre. Ma premier ministre, quand la mécanique, minani, ironi, kala, minani, fenoketa, amina, permettez-moi une seconde. Donnez-moi une seconde, hein. Mina, fenore, ma fait qu'à fenore, gini. Mais, fenoke, à coup, la diago, je fais quelque chose rapidement. Parce que je veux vous faire écouter. Bon, ma faka ni ronde la mer quoi. Le 27 janvier. Quand le congrès finit le 26 janvier. Le 27 janvier, tu n'es pas RHTB, tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHTB, tu libères le tabouret. Sogal, tu entends ça? Tu es président, tu es député. Mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHTB, tu libères le tabouret. Alors, c'est simple, Sogal, voilà, c'est ça. C'est simple, tu n'es pas avec Assimi Goïta, tu libères le tabouret. Ouais, le palapkeda. Ouais, ce qui est compliqué. Ouais, ce qui est compliqué. Monsieur le président Assimi Goïta, vous avez entendu les propos de votre premier ministre qui a utilisé, comme il a dit lui-même si bien, il a utilisé les véhicules de la primature avec tout le cortège protocolaire pour aller rendre visite aux détenus, ceux qui ont été interpellés par la loi, et il estime que leur interpellation n'est pas fondée puisque tout ce qu'ils ont dit est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que il ne dit jamais j'ai envoyé des avocats s'enquérir de l'état du dossier pour voir au moins s'il avait dit que j'ai mandaté des avocats pour défendre mais collaborateurs. Voilà ce qui ressort du dossier. Voilà l'accusation qui est là. Pour moi, je serais un peu édifié. Mais ce n'est pas le cas. En tout cas, il est bon de savoir une chose. On sait que ça peut paraître un peu difficile. Mais nous, on est bien. Kadu furu dola, mais furu konla la, galon de bari nyongche. Mais dembe sura furu kono den danga den gabon, barka dengiri tola, parce que furu reste la galonka. Mais dembe galon kono, fin barka majuma be bola, barka ma furu dengiri tola. Donc il est important, parce que sugar ya famia, ko dossier important chamambe bi furu dengiri kitika timale nyakoro. Assimi Mbeka a déjà géré directement avec le ministre économie et finance,
ani ministère mon concerné ndo bon en général olu dossier be de tumanga na shugale ka tabalika shugale de tumanga baraku beka mais ni be beka utoro ni be beka do gasila parce que ni dossier bengle mat te shugale ka bureaucratie kele asimira de beka ni dossier be jira ka niveau la mais ne bolo ne ta do be timi ko mena kwa jamana do e trajectoire dia simidi ma jamana do ma trajectoire de shugale ma jamana do ma shugale wele ka trajectoire da ma Koukou tera siente la katakouma. Kouyou ka fin présenté. Mais, na ma fili. Na le wola, kou wata bilan présenté. Na des la ka bilan présenté. Kouma jma ou rebe yitou mouni. Jamanadou, oui, asizi ke la. Asizi sera de yamer, asimi de mou. Sera ma di shugel mou. Asimi de be bla barala. Et asimi bla barala ou shugel. Donc, akana ki nyana ina fo eleksyon do de ke la. E gaina, deputi ka deputo de akaito. Donc, et se ga obliga mouni. Bon, allez, Francie a maqué bien. Est-ce que Macron m'a, Francie, Assemblée nationale, Macron m'a déçoit? Parce qu'il y a un tas de gens qui ont été bêtes, qui ont fait la campagne, qui ont été bêtes. Non, frère, la campagne, qui ont été bêtes. Qui ont été bêtes. Donc, monsieur le président Assimi Goïta, vous avez vu, même notre pire ennemi, Emmanuel Macron, il a dissous son Assemblée nationale. Vous avez écouté tout à l'heure ce qu'Adama Bitogo, l'actuel président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire à l'époque, était le secrétaire exécutif du RHDP. Il dit, vous n'êtes pas d'accord avec le RHDP, vous n'êtes pas d'accord avec le président Alassane Ouattara, vous libérez le tabouret pour le et simplement. On peut pas permettre à Shogel Koukala Maïga de demeurer à la primature et permettre que ces hommes attaquent impunément le président. Et lui, il dit qu'il les soutient, il est fier de leur collaboration, il est fier de ceux qui insultent le président Assimi Goïta, il est fier de ceux qui attaquent la transition, il est d'accord avec eux et il va très loin, il dit que leur arrestation est bidon, illégale, illégitime et infondée, parce que tout ce qu'ils ont dit est basé sur la vérité. Bon, ben, qu'ils laissent la justice se prononcer sur les faits qu'ils ont dit. Ce qu'ils ont dit, la justice va trancher. C'est tout. Moi, je pense que, Monsieur le Président, je ne peux pas personnellement vous amener à prendre une décision. Parce que si tel était le cas, il y a bien longtemps, je vous aurais demandé de libérer Shogel Koukala Maïga, parce que moi, j'ai vu Shogel venir de loin. Je l'ai vu venir de loin. Depuis qu'il a commencé à faire certaines choses, je l'ai vu venir de loin. Mais à l'époque, les gens ne voulaient pas nous écouter. Et j'ai dit au Premier ministre de faire très attention, parce que s'il croit que en faisant certaines choses, s'il a si bien agi, c'était une partie de la population va se retourner contre Assimi. Il a menti parce que je lui ai dit, j'ai été clair, nous serons là pour accompagner la politique du président Assimi Goïta. S'il doit se débarrasser de vous, on va construire un narratif propre, pas un mensonge, mais un narratif propre. Alors, ce que je viens de faire aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, pour toute personne douée de bon sens, s'attendrait, en tout cas dans les jours à venir, à ce que le président se débarrasse de vous. Parce que ici, là, on n'a pas menti sur vous. Tout ce que vous avez dit, c'est ce que nous avons utilisé pendant notre intervention. On n'a rien dit de ce que vous n'avez pas dit. Tout ce que vous avez dit, et cela nous démontre que vous avez un sérieux problème avec le président. Quand vous nous dites que vous êtes en collaboration avec le président, mais comment tu peux dire ça et ensuite aller dire aux parents de ceux qui ont été interpellés qu'ils ont été interpellés. C'est comme si on a commis une injustice. Mais donc tu es d'accord que dans ton entourage, moralement parlant, dans ton entourage, tu es d'accord que certaines personnes insultent le ministre d'État. Tu es d'accord que le porte-parole du gouvernement de l'État du Mali soit vilipendé par des gens autour de toi. Et tu dis que tout ce qu'ils ont dit est la vérité. Où est la vérité dans ce qu'ils ont dit quand ils... Donc, c'est toi qui vas leur dire que Abdoulaye Maïga t'a manqué de respect. Pendant le conseil de gouvernement. C'est pas conseil des ministres, mais conseil de gouvernement. C'est ça? Monsieur le Premier ministre, c'est ça? Donc, c'est vous qui allez dire à ces gens-là que Abdoulaye Maïga vous a manqué de respect. Parce que c'est ce que ton gars a dit. Donc, il peut pas le dire s'il n'a pas, puisqu'il n'assiste pas au conseil de gouvernement. Il n'a pas accès là-bas. Alors, si vous avez un problème avec Abdoulaye Maïga, pourquoi vous n'en parlez pas au président Assimi Goïta pour tirer les choses au clair? Alors, pourquoi vous prétendez avoir une bonne relation avec le président, avec les cinq colonels, mais alors que dans leur dos, vous faites autre chose? Donc, vous encouragez ces gens de pratique et vous prétendez être
en contact avec le président. Vous prétendez aimer le président. Vous prétendez dire que c'est un envoyé de Dieu. Vous prétendez dire que c'est un doyen. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Et vous-même, vous dites, tous ceux qui vont s'attaquer à la transition, Dieu va les détruire. Mais entre-temps, vous-même, vous permettez à vos hommes de s'attaquer à la transition. Qu'est-ce que Dieu doit faire? Parce que Dieu va te prendre au mot, monsieur le Premier ministre. Vous oubliez vite, c'est ce que vous avez dit. Moi, les transitions sont attaquées à la tatue, là. Mais il y a tout le monde qui est transition. Et qu'on nous bénale, et qu'on a bénéme, et qu'on a djalié. Comment basique, comment fouille, comment djou, comment fouille, dégrégué. Et nous, qu'on est mon moment, transition attaqué. Monsieur le Premier ministre, il y a un problème. Tout ce que je veux vous demander, monsieur le président Assimi Goïta, c'est de prendre vos responsabilités et de mettre le Premier ministre de ses fonctions. Je le dis, c'est avec tout le sérieux et toute l'honnêteté et tout le calme et le bien que je pense pour la transition et le Mali. Il est temps, monsieur le président, d'arrêter l'hémorragie. Il est temps, monsieur le président, d'arrêter l'hémorragie. Il est temps de remercier le Premier ministre. Il est temps, monsieur le président, excellence. Il est temps. Problème là, qu'est-ce que tu appelles problème? Dis à un premier ministre de parti, pour toi c'est un problème. Vous aussi réfléchissez. Pourquoi vous pensez que la vie, attends, c'est pas mené faux, il faut pas faire, attends. Et si la mort vient frapper? Donc vous allez dire à Dieu, non, c'est pas le moment que la personne doit mourir, Dieu. Yeah, c'est pas le moment. Mais pourtant, les gens meurent, hein? Tous les jours, les gens meurent au Mali. Tous les jours, les gens meurent dans le monde. Est-ce que ça empêche les gens de respirer? Est-ce que ça empêche le monde de marcher? Alors, pourquoi vous pensez que, parce que si le président se débarrasse de son premier ministre, c'est un problème? Pourquoi dans votre entendement, il y a un problème? Alors, vous souhaitez que le premier ministre continue d'entretenir le flou autour du président? Vous-même, là, est-ce que, moralement, ce que le premier ministre a fait, là, vous acceptez ça? Si tu es venu trouver qu'on a commencé le direct, il y a des propos qu'il ne faut pas tenir, parce que tu n'es même pas au courant. Il serait intéressant d'abord d'aller écouter ce que le Premier ministre a dit. Et en fonction de ce qu'il a dit, qui cherche problème ici? C'est le président ou c'est le Premier ministre? Quand on insulte le président et puis le Premier ministre dit que tout ce qui a été dit est vrai, et tu viens me dire ici qu'il ne faut pas chercher, qu'il ne faut pas créer problème, tu ne sais pas que le problème a déjà commencé? Quelle équipe qui gagne? Quelle équipe qui gagne? Je sais pas. Vous là, vous êtes sur quelle planète même? Donc, ce qu'on a dit là, vous n'avez rien écouté, mais je sais même pas qu'est-ce que vous faites là. Qu'est-ce que vous appelez? On n'achète pas une équipe qui gagne. Une équipe qui gagne là, les gens meurent pas. Oufou, il n'est pas mort. Maradona n'est pas mort. Pour autant, l'Argentine a arrêté. C'est tout. Merci beaucoup. J'ai bien compris, chimie. Alors, une équipe qui gagne. Toi, tiens, au comédien. Pelé n'est pas mort. Et j'ai dit Pelé, je voulais dire Poku, l'Ivoirien, Poku. Alors, l'équipe qui gagne, de quelle équipe tu parles? Quand on est une équipe, là, on est soudé, on est solidaire. Est-ce que tu sais ce que signifie même une équipe? Une équipe, c'est la solidarité avant tout. Quand il n'y a pas de solidarité, il n'y a plus d'équipe. Pourquoi la plupart du temps, les équipes, là, après leur échec, on dit le jeu était individuel, c'était pas collectif. Pourquoi on dit toujours jouer collectif? Quand vous jouez collectif, vous êtes soudés. Quand vous jouez collectif, vous êtes ensemble. Quand vous jouez collectif, vous faites attention. Quand l'autre est en difficulté, vous venez le soutenir. Mais quand vous êtes dans une équipe et puis vous livrez quelqu'un à l'abattoir et tu ne mets pas d'équipe, quelle est cette équipe? De quelle équipe tu me parles? Une équipe où on livre d'autres personnes à l'abattoir? C'est ça que tu appelles une équipe? Bon, je ne te souhaite pas d'être dans une telle équipe. Parce que si tu es dans une telle équipe, tu vas savoir qui a mis le dans coco. Nous, tout ce qu'on dit, c'est qu'il est temps que le président Assimi Goïta, et moi, tout ce que je sais, c'est que, comme Abdoul Niang a dit une fois, le Shogel Maïga a déjà entendu, il sait qu'il va partir. Quand je ne sais pas, et lui-même, il sait, c'est pourquoi il a fait ça. Sinon, Shogel va jamais faire ça. Jamais. Il va jamais faire ça. C'est pas aujourd'hui, les gens ont été arrêtés. Pourquoi c'est aujourd'hui, il va chez leurs parents? Pourquoi c'est maintenant, il va chez leurs parents? Soyez un peu intelligent aussi pour comprendre, depuis leur arrestation, là, pourquoi il n'est pas allé puis aujourd'hui, ça va? Pourquoi? Pourquoi depuis l'arrestation, là, Shogel n'est pas parti, et puis aujourd'hui, ça va? C'est qu'il a entendu quelque chose. Et ce qu'il a entendu, il sait que c'est pas bien. Ce qu'il a entendu,
Il sait que c'est pas bon. Ce qu'il a entendu, il sait qu'il s'agit de son départ. C'est tout. Mais nous, dans la vie, il faut faire un choix. En fait, s'il pense que parce que le M5 a mené le combat, donc à cet effet, en tant que premier ministre du M5, lui ne peut pas partir. C'est qu'il a menti, c'est faux. Le président Mouro Keïta a été démis de ses fonctions par le général Moussa Traoré. Hein? Le général Moussa Traoré a été démis de ses fonctions par le général Amadou Toumani Touré. Le général Amadou Toumani Touré a été démis de ses fonctions par le capitaine Aya Sanogo. Le Mali n'est pas mort, le Mali n'a pas disparu. Donc, le premier ministre, il est là et il travaille pour le président, il ne travaille pas contre le président. Nous ne sommes pas dans un régime semi-parlementaire, nous sommes dans un régime présidentiel. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que cela signifie. Ça veut dire que c'est le président qui a pratiquement tous les pouvoirs. Et le président doit s'assumer quand son premier ministre ne répond plus à son entente. C'est le peuple qui a donné ce mandat-là à Assimi Goïta à travers les assises nationales pour la refondation. Ce n'est pas un shogun. Et d'ailleurs, ce n'est pas au M5 de venir faire le point. Donc, parce que vous savez, il y a quelque chose que je vais vous rappeler rapidement, il est déjà tard. Vous savez, le M5 a fait le point de la situation. Mais pourtant, Shogun lui-même, il n'y a pas longtemps, il a fait le point de la situation. Il a fait le bilan des activités. Et dans ce bilan-là, Shogun a fait l'éloge d'Assimi Goïta. C'est ça qui est contradictoire chez l'homme. Et lui-même, il parle, mais il ne se rend pas compte que quand il parle lui-même, Shogun, il se piège sans se rendre compte. Il se piège lui-même. Parce que ce qu'on sait, ils ont présenté, il y a un bilan, un premier bilan. Et c'est lui qui a présenté ce bilan-là. Et c'est lui qui a défendu ce bilan. Maintenant, quand son association dans son petit coin sort et puis écrit autre chose, mais lui, Shogel Kokala Maïga, il devait dire, attention, le bilan que j'ai présenté, c'est pas le bilan qui est là. Alors, il présente un bilan, et puis son mouvement vient présenter un autre bilan. Mais dans les cas, quel est le vrai, alors, à quel bilan les Maliens doivent se fier? Celui de Shogel ou celui de son mouvement? Parce que quand le M5 a parlé, le M5, le bilan qu'ils ont présenté, ce n'est pas au nom du M5, mais ce n'est pas le M5 qui a pris le pouvoir. Parce que là aussi, Shogel fait beaucoup une erreur de calcul, une erreur politique. Le M5-RP qui a pris le pouvoir, ce n'est pas le M5-RP que lui, il gère aujourd'hui. Parce que sur M5-RP, il y a eu beaucoup de défections. Sur M5-RP, on peut dire même que c'est une coquille vide aujourd'hui. C'est le nom qui est là, sinon c'est une coquille vide. C'est le nom qui est la scène coquille vide. Donc, une coquille vide écrit, fait un bilan bidon. Est-ce qu'ils sont allés parler avec les... Donc, en réalité, eux, ils n'ont pas accès aux informations gouvernementales. Donc, c'est le premier ministre qui fournit ces informations. Donc, on peut en déduire que ce mémorandum, c'est un mémorandum écrit par le premier ministre, comme l'a dit Abdoulaye Niang. Seul le premier ministre peut faire ça. Et je suis sûr que c'est au regard de ce mémorandum, certainement que le président Assimi Goïta est en train de prendre une décision, et cette décision, certainement que Shogel a été informé, puis il y a une décision qui est en train d'être prise, du jour au lendemain, il sera plus premier ministre. Mais ce ne sera que justice. Le Mali n'a pas besoin de ça, comme l'a dit la dame. Le Mali n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça.